Fils et filles du bon Dieu, bon sabbat de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous pour ce mercredi. Et là, nous sommes encore dans l'octave de Pâques, fils et filles du bon Dieu. Fils et filles du bon Dieu, d'abord la première lecture, Actes des apôtres, le chapitre 3, les 10 premiers versets. Oui, les apôtres sont les continuateurs de Jésus. Ils sont les dépositaires du pouvoir de thaumaturge, donc des miracles du Messie, parce que le Seigneur continue à agir par les apôtres et même encore aujourd'hui par ses enfants. Oui, l'action de Jésus n'est pas achevée avec sa mort. Dieu continue à agir à travers sa présence mystérieuse dans son Église aujourd'hui encore. Et pour souligner cette continuité, Pierre dit les mêmes mots que Jésus. Lève-toi et marche. Pierre fait le même geste que Jésus, les saisissant la main. Et il guérit même la même maladie, un paralysé, dans le même lieu. Matthieu 21, 14. Oui, fils et filles du bon Dieu, Dieu continue en Jésus-Christ à agir encore dans le quotidien de notre vie. Oui, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Voilà, parole de Pierre. Et c'est ce que répète l'Église à l'humanité, si souvent paralysée. Lève-toi. Oui, l'Église, après Jésus, veut la grandeur de l'homme. Un homme debout, un homme actif, un homme capable de prendre son destin en main. Fils et filles du bon Dieu, oui, marchons ensemble. Marchons pour louer l'Éternel. Marchons pour glorifier le Seigneur. Marchons pour aller annoncer la bonne nouvelle par un témoignage de vie. Parce que c'est le témoignage qui interpelle. La manière de vivre fait de telle sorte que les gens puissent se convertir, fils et filles du bon Dieu. Oui, le Christ est vivant. Il est notre espérance. Oui, aujourd'hui, Pierre fait du boiteux le témoin du Sauveur Jésus et de sa puissance communiquée à ceux qui invoquent son nom, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin, Luc, le chapitre 24, versets 13 à 35, les disciples d'Emmaüs. Pour Jésus, le Messie annoncé par les Écritures ne pouvait entrer dans la gloire que par la croix. Oui, l'écoute de la parole de Dieu et la fraction du pain nous mettent en présence de celui qui est mort et ressuscité. Oui, deux disciples marchaient vers Emmaüs. Ils discutaient ensemble. Ils parlaient de ce qui s'est passé. Mais c'est là où Jésus s'approche et marchait avec eux. Comme quoi Jésus rejoint chacun de nous sur notre chemin, sur ta situation, à travers ta vie, fils et fille du bon Dieu. Vendredi dernier, leur ami est mort. Tout est fini. Ils retournent chez eux. Ils n'attendent plus rien. Nous espérions. Oui, ces mots sont lourds de toute une espérance déçue. Dans toute vie humaine, cela arrive. Un jour ou l'autre, un grand espoir déçu, un deuil cruel, un échec cuisant, un souci, une question insoluble, un péché qui fait souffrir humainement. Il n'y a pas d'issue. Mais heureusement, Jésus-Christ est là pour nous apporter sa grâce, la grâce de sa bénédiction, fils et filles du bon Dieu. Oui, Jésus les laisse s'exprimer longuement sur leurs préoccupations. Il ne se fait pas reconnaître tout de suite. Il les fait parler, vider leur sac. Oui, fils et filles du bon Dieu. Le récit de Saint-Luc est tout entier construit pour nous faire comprendre comment on peut reconnaître Jésus. Alors Jésus se révèle progressivement, fils et filles du bon Dieu. Ou comment on chemine lentement du doute, du désespoir jusqu'à la foi. C'est notre vie, fils et filles du bon Dieu. Voilà la première méthode. Comme votre cœur, le texte dit, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Et en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'écriture ce qui le concernait. Oui, d'abord la parole de Dieu, l'annonce de la parole de Dieu pour la conversion. Jésus est là pour chacun de nous, le reconnaître, prendre contact profondément, cordialement avec l'écriture, avec la parole de Dieu. Oui, l'Ancien Testament éclaire le nouveau. La Bible introduit à l'Évangile. Le projet de Dieu se poursuit sans rupture, fils et filles du bon Dieu.
Ce qui se réalise en Jésus-Christ, c'est ce que Dieu prévoyait de toute éternité. C'est ce qu'il avait déjà commencé dans l'histoire du peuple d'Israël. Oui, voilà la deuxième expérience pour reconnaître Jésus-Christ, mais c'est dans l'Eucharistie, la fraction du pain. L'Eucharistie est le sacrement, le signe efficace de la présence du Christ ressuscité. C'est le grand mystère de la foi, un signe bien pauvre, un signe bien modeste, mais le Christ est là, communié au corps du Christ. Tenir par-dessus tout à l'Eucharistie, se mettre parfois à genoux devant un tabernacle, c'est recevoir des grâces en abondance. Oui, à l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem puisque le Seigneur s'est révélé en eux. Et à ce moment-là, il faut aller annoncer la bonne nouvelle, fils et fille du bon Dieu. Dès que tu as fait l'expérience du Seigneur, tu as rencontré le Seigneur, il faut aller vers tes frères, tes sœurs pour annoncer la bonne nouvelle. Oui, toujours la mission. Personne ne peut rester en place à contempler le Christ ressuscité. On se met en route vers ses frères. Oui, fils. Le récit de Saint-Luc est tout entier construit pour nous faire comprendre comment on peut reconnaître Jésus, comment on chemine lentement du doute, du désespoir jusqu'à la foi, fils et filles du bon Dieu. Beaucoup aujourd'hui vivent ces situations difficiles, de doute à travers leur vie. Mais Seigneur veut se révéler en toi progressivement, fils et filles du bon Dieu. Voilà pourquoi nous devons annoncer la parole de Dieu par notre témoignage progressivement afin que cette parole puisse créer de conversion. Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Et en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'écriture ce qui le concernait. Oh Seigneur, merci. Voilà la première méthode pour reconnaître Jésus. Prendre contact profondément, cordialement, avec les Saintes Écritures, avec la parole de Dieu. Fils et fille du bon Dieu, l'Ancien Testament éclaire le Nouveau. La Bible introduit à l'Évangile. Le projet de Dieu se poursuit sans rupture. Ce qui se réalise en Jésus-Christ, c'est ce que Dieu prévoyait de toute éternité. C'est ce qu'il avait déjà commencé dans l'histoire du peuple d'Israël, fils et fille du bon Dieu. Voilà la deuxième expérience pour reconnaître Jésus. L'Eucharistie, la fraction du pain. L'Eucharistie est le rassemblement, le signe efficace de la présence du Christ ressuscité, fils et fille du bon Dieu. C'est le grand mystère de la foi, un signe bien pauvre, un signe bien modeste. Communier au corps du Christ, tenir par-dessus tout à l'Eucharistie, se mettre parfois à genoux devant un tabernacle, c'est exprimer l'adhésion de notre cœur. À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Fils et filles du bon Dieu. Toujours la mission. Personne ne peut rester en place à contempler le Christ ressuscité. On se met en route vers ses frères, vers ses sœurs. On se met en route pour aller annoncer la bonne nouvelle. Fils et filles du bon Dieu. Oui, aujourd'hui, les disciples d'Emmaüs font cette expérience qui transforme leur vie. Et ils sont partis pour annoncer la bonne nouvelle aux autres. Pour Jésus, le Messie annoncé par les Saintes Écritures ne pouvait entrer dans la gloire que par la croix, fils et filles du bon Dieu. L'écoute de la parole de Dieu et la fraction du pain nous mettent en présence de celui qui est mort et ressuscité. Mais alors il va encore nous dire, lorsque deux ou trois personnes sont réunies en mon nom, je serai là. Fils et filles du bon Dieu, le Seigneur est toujours là lorsque nous parlons de lui. Parle du Seigneur aux autres, tu verras sa gloire, fils et fille du bon Dieu. Aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Jess Tounou depuis la paroisse Saint-Michel de Kembo. Mais c'est Saint-Michel de la gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville. C'est au Gabon. Sainte journée de grâce et de bénédiction, n'oublions pas. Kipé, Yayo et Tokos de Pâques en tout un chacun de vous. Merci Seigneur. Oh,
dans la devise.